Hello, how are you? I'm very well, thank you. I apologize in advance for my terrible French that I don't speak. Is this just... Parce qu'il ne parle pas du tout français. No problem, it's okay. Thank you very much for being here tonight. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On va commencer à vous poser quelques petites questions, Alexandre. On va commencer par vous. Vous avez réalisé Haute Tension, le remake de La Colline à des yeux également. Merci d'ailleurs parce que ce film a traumatisé. Mirror, avec Kiefer Sutherland. Piranha 3D. Est-ce qu'avec Hans, on peut dire qu'on vous montre une nouvelle facette? Il y a définitivement une évolution. On m'a toujours intéressé de faire des choses différentes. Et c'est vrai qu'en finissant Piranha, j'ai lu le livre Hans et ça m'a... Voilà, je ne pouvais pas, comment dire, échapper à l'adaptation de ce bouquin. C'était tellement incroyable. Chaque chapitre était un différent genre. C'était, ça allait de la comédie au drame, au thriller, à l'histoire d'amour, à l'horreur. Et évidemment, c'était exactement ce que je voulais faire après Piranha. Donc c'était parfait dans la continuité idéale. Est-ce que c'était un choix naturel pour vous d'avoir Daniel Radcliffe dans votre film? Alors, tout le mélange de genres du film tient sur un personnage et une histoire de ce personnage-là. Et donc, évidemment, c'était la clé. Et bon, évidemment, je ne vais pas en révéler trop maintenant, mais c'est vrai que sans Daniel, le film n'aurait pas existé parce qu'il a amené un talent incroyable et, comment dire, je ne sais même pas comment expliquer, parce qu'il est capable de faire des choses si différentes. Et je pense que Harry Potter, ça a été quelque chose d'incroyable, mais c'est vrai que c'était pour lui le début parce que c'est un grand acteur. Et je pense que dans Hans, il prouve quelque chose qui est absolument dingue. On l'a vu et il est génial, hein, vraiment. Ouais. Vraiment. It's great to have like no idea what's being said about you, just debating it. Alors moi j'ai un mauvais retour de ce que tu... Can you please, what do you say? No, I just said it's great to have like no idea what's being said about you, just the vague notion that it's quite nice. Tu comprends clairement. D'accord. Hans et l'adaptation, vous venez de le dire, Alexandre, du roman de Joe Hill. En tant que réalisateur, qu'est-ce qui est le plus difficile en fait quand on adapte justement un livre au cinéma? Il y a toujours plusieurs manières d'adapter un bouquin, mais quand il s'agit d'un livre où on aime tout, chaque lettre, chaque phrase, chaque mot, chaque idée, chaque personnage, évidemment c'est un défi parce que ça aurait été 6 heures de film. Donc bon, je vous ai épargné, et ce ne sera pas 6 heures de film. Mais c'est vrai qu'on a dû faire des choix, et je suis assez content de ce qu'on a fait parce qu'on a gardé l'esprit, on a gardé l'essence du bouquin qui est très original, vous allez voir. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alexandre. Daniel, I'm so sorry. Daniel, allez, on applaudit s'il vous plaît. Sorry for my accent, I'm very bad, but... Oh no, please, thank you, it's perfect. You're an amazing actor. Thank you. Vous êtes un très bon acteur. When you read the script, what really seduced you and make you accept the role? Quand vous avez lu le script, qu'est-ce qui vous a séduit et fait accepter le rôle? Again, I apologize in advance if I just repeat any of the things that Alex just said, because I don't know what he said, but I one of the things I loved about it was that it refused to be pinned down into any genre. People nowadays love, their first instinct when they hear about a film is to go, what kind of film is this, and put it into like one of 8 different boxes, and this film is all those. It won't let you pin it down into one category, and that to me is very rare, it's incredibly original, and those are the things that I'm looking forward to, and good luck remembering all that I just said. Excuse me, j'ai pas du tout compris. Non. En fait, c'est le retour qui est mauvais. Sinon, Daniel, juste voulais dire que par rapport à tout ce qui l'intéressait, c'est que généralement, on se retrouve dans une position où un film, on aime bien le mettre dans une petite case. Simplement là, ce film-là, lui, il a 8 différentes petites cases, et à chaque fois, on ne peut pas le rentrer dans une seule. On est obligé simplement de comprendre que c'est l'ensemble, et c'est ça qui l'intéressait énormément, c'est que ça touchait beaucoup de différentes choses qu'il pouvait exprimer comme ça. Merci.
Merci beaucoup à vous cinq. Merci beaucoup. Thank you very much. On applaudit encore une fois, s'il vous plaît.